La pâte brisée, 190 g de beurre, une cuillère à café de sel que l'on va dissoudre dans 5 cl de lait avec 250 g de farine. Voilà, nous allons donc prendre le beurre, nous allons mettre ça dans le bol. On va le ramollir légèrement. Vous faites dissoudre le sel dans le lait, ensuite vous le mettez dans le beurre et vous mélangez le tout. Une fois que le beurre est ramolli, vous ajoutez la farine. Vous malaxez le tout et surtout ne pas travailler très longtemps. Donc la conservation c'est facile, vous mettez dans du papier film, bien hermétique, vous tirez bien pour que ce soit, qu'il n'y ait pas trop d'air à l'intérieur et vous mettez ça au frigo. Comme ça, tel quel. Si vous voulez la congeler, la faire en mettre, par exemple, pendant 15 jours, bon, vous la mettez bien à plat, pareil, vous la rétractez, vous faites le papier filmé, vraiment, vous tendez le papier film, vous tendez bien le papier film, vous ne mettez pas trop épais, hein, pas plus épais que ça, pour justement que la congélation arrive vite à cœur. Et là, vous pouvez la garder en 1 mois et demi, 2 mois maximum.